Bonjour Philippe, bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour à vous deux, merci. Voilà Philippe, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. C'est génial. Grand, grand merci, Emmanuel. Et ben, nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute. C'est génial. Voilà. Alors, j'ai fait de l'eczéma étant petit avec de l'asthme. Actuellement, l'asthme est passé, j'ai quelques gènes respiratoires qui persistent, mais bon, rien de dramatique, mais il y a quand même encore quelques traces qui sont là. J'ai fait une phlébite, en fait, j'ai des problèmes de circulation au niveau des jambes. Ça persiste, ça me fait pas mal, mais c'est une gêne. Les pieds sont sensibles à la marche. D'accord. J'ai du mal à marcher, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai fait des phlébites, j'ai les jambes un peu fragiles, sincèrement, c'est les jambes fragiles. J'ai un gros problème, alors là, par contre, du nerf trijumeau sur le côté gauche, hein, qui m'a fait un mal de chien et je suis en traitement pour ça. Alors là, ça, ce problème du trijumeau, c'est vraiment un gros truc, hein. J'ai fait une embolie pulmonaire à la suite de circulation sanguine. Bon, j'espère que ça va se passer de façon définitive. Je suis traité au niveau médicamenteux pour ça. J'ai envie de m'arrêter de m'intoxiquer, mais bon, ça, on verra bien par la suite. Tu l'as fait quand cette embolie pulmonaire? On va dire, il y a 6 ans, 7 ans. Hein, D'accord. donc voilà. Le nerf trijumeau, ça c'est vraiment important. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Non, bah c'est à peu près tout en fait. C'est vraiment ce problème de trijumeau qui me gêne vraiment énormément. Hein, D'accord. alors, surtout quand il fait froid dehors, j'ai le froid qui se met là. Mon corps se refroidit et là, ça déclenche le décrit. Mais c'est énorme, hein, c'est vraiment énorme, hein, ça c'est clair. Bon, on Donc, verra ça. en problème, voilà, quoi, c'est à peu près tout. J'ai pas Tu de gros préfères. problèmes. Est-ce que tu préférais ressentir au chaud? J'ai pas compris, pardon. Non, je dis, est-ce que tu préférerais le ressentir au chaud, ton Oui, nerf trijumeau? Tu as envie de je. changer? Tu veux changer? On le fait au chaud plutôt qu'au froid? Ah, putain. Non, je te charrie là. Non, J'ai envie de te taquiner. ah ben c'est Allez. bien, c'est bien, c'est bien. Je taquine assez les autres pour pouvoir recevoir aussi à mon tour, ça c'est clair. Alors, on t'écoute pour le reste des points. C'est tout. Ah bon, mais t'as que des points de santé? J'ai pas de problème de santé, j'ai que ça. En ce moment, c'est le trijumeau qui me gêne, mais vraiment qui me gêne. D'accord. Bon, là, quand il fait chaud, ça va. Mais quand il commence à se faire un peu plus frais, un peu plus froid, un peu de vent, un peu de ceci, de cela, bon, j'ai remarqué ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est réellement ça qui me déclenche les crises. J'en sais rien. Non, Hein. mais on verra bien, t'inquiète pas. Hein? Après, les autres points, c'est quoi alors? Tu as Alors, d'autres. c'était là, c'était. J'ai fait des phlébites. Hein. Non, mais je ne te parle pas à part la santé, est-ce que tu as d'autres points? Je sais pas, au niveau. Alors, j'ai eu quelques problèmes financiers il y a une dizaine d'années. Oui, mais aujourd'hui, est-ce Ah, que. aujourd'hui, Parle-moi de ça. ce qui est aujourd'hui, pas de ce qu'il y a eu et qu'il n'y a plus, tu vois. Ouais, non, bah, ça se remet à flot, ça va, ça reprend Ouais. tout doucement. Il y a pas de. J'ai pas de gros problèmes. D'accord. Bon, bah écoute, si c'est bon pour toi, moi ça me va, hein. Hein, on peut vas-y comme ça, quoi. Il n'y a pas de Alors, les souci. invitations, alors. Alors, les invitations, les Qui qu'on enfants, j'aime invite? bien. Les enfants. Alors, ta compagne, évidemment, hein. Ma compagne, évidemment, oui. Sylvie, Hein. hein. Les trois enfants, David, Guillaume et Marie. Oui. Les gens que j'aime. Il y en a On quand peut dire même. la famille en général et les amis de cœur, ça te va comme ça? Ah oui, très bien. Allez, famille et amis de cœur, voilà. Ok. Et au niveau des désincarnés, tu as droit à deux personnes si tu veux. Mon père, papa, et puis Oui. mon parrain. Et ton parrain.
Bon. C'est bon pour toi? C'est parfait. Oh ben écoute, on est parti pour l'aventure. Je te laisse couper le son et nous y allons. Merci. Alors maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. 310. Je te laisse augmenter. 29 300. 29 300. Parfait. Tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Philippe et dis-moi comment tu le perçois. Il y a tout un enchevêtrement de filets énergétiques autour de lui, qui viennent le tirailler dans un sens et dans l'autre. C'est comme s'il avait été harponné en quelque sorte plusieurs fois et que chaque harponné avec mise de filet sur lui et que chaque filet posé vienne en opposition les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a un filet qui vient le tirer vers la droite, un autre vers la gauche, un autre vers le haut, en biais, enfin ça fait tout un. Ça génère toutes sortes de tiraillements énergétiques. Ça vient presser sur son espace énergétique. Ça, il y a tous ces corps subtils qui sont affaissés les uns contre les autres et toute sa biologie en est comme bousculée. Il y a une sorte de vibration dans toute la partie physique, une vibration dissonante, discordante, qui l'empêche de trouver son équilibre et qui empêche les informations biologiques de circuler correctement. D'accord. Qui est à l'origine de ces filets? Il y a plusieurs entités de nature différente qui cherchent à se l'accaparer, comme si chacune d'entre elles cherchait à l'attirer vers elle. Chacune a jeté son filet, quoi. C'est ça. Qui vois-tu alors? Il y a des entités humanoïdes reptiloïdes et d'autres qui sont de type insectoïde. Mais insectoïde, ça ressemble à des scorpions. Oui, c'est ça ressemble à des scorpions. C'est noir, luisant, avec ces deux sortes de fourches courbées là, vers l'avant. Ce sont celles qui sont les plus puissantes, les plus piquantes, qui sont les plus dérangeantes, parce que ce sont elles qui sont le plus en interaction avec lui. Qui vois-tu d'autre? Il y a des sortes d'êtres qui sont humanoïdes, blanchâtres. On dirait des sortes de grands gris, mais la peau est blanche. Donc c'est ces trois-là, principalement, qui viennent tirailler sur lui. Après, il y a un autre type d'entité, mais qui n'arrive pas qui tente, mais qui n'arrive pas réellement à tirer son épingle du jeu parce qu'ils sont venus s'accrocher comme après coup et ils sont rejetés par les trois autres. C'est des sortes de. Ce qui se rapproche le plus de ce que l'on connaît, c'est comme des sortes de crabes. D'accord. Ok. Bon. Alors, depuis quand la toute première fois est-ce que ces entités sont avec lui? Je ne sais pas parce que ça apparaît et ça disparaît. Donc c'est là de toute façon. C'est comme s'il était. C'est là de toute façon depuis l'arrivée dans cette incarnation. Et c'est comme s'il disparaissait, qu'il leur échappait, entre guillemets, en partie, à chaque désincarnation. Et chaque fois qu'il y a
incarnation, il est comme repéré de nouveau, comme une luciole dans la nuit, et de nouveau harponné. D'accord. Donc ils sont, on va dire, trois, quatre sur l'affaire. Je suppose que les quatre ne sont pas apparus en même temps, au même moment. Non, les tout premiers, ce sont ces sortes de scorpions. D'accord. On va regarder à quel moment ils sont arrivés. Je compte à trois, ton esprit t'y emmène. Un, deux, trois. 13, il y a 13 incarnations. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des accords? Dans quelles circonstances est-ce qu'il a été prédaté à ce moment-là? Il y a une sorte de... C'est à un moment donné où je le vois en train de se prendre la tête dans les mains, dans une grande réflexion, sans arriver à résoudre un problème de type mathématique. Et ces entités arrivent là avec proposition d'apporter la solution. La problématique, c'est quelque chose comme... C'est lié à l'architecture. Mmh. D'accord. C'est comme s'il y avait des problématiques architecturales qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Bloqué devant quelque chose dont je ne sais pas la nature, mais c'est d'ordre mathématique. Il est face comme une sorte d'incohérence de calcul. Et ces entités arrivent là comme des propositions de dénouer la situation. Sous quelle forme il les voit là? Ce n'est pas une forme précisément. Elles viennent s'insérer dans ses pensées. C'est-à-dire qu'elles n'interviennent pas directement en se présentant devant lui ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus subtil. Elles créent une sorte de fréquence où, plus exactement, elles viennent se poser, s'asseoir sur des fréquences de pensée déjà existantes et qu'elles viennent renforcer et qu'elles dirigent vers lui, dans sa direction, pour que lui puisse les capter. Alors ça veut dire qu'il prend ses pensées pour les siennes, comme s'il trouvait une solution, c'est ça? C'est ça, elles arrivent à visage masqué. Mais est-ce que ça veut dire que le fait qu'il accepte ses pensées, ça donne comme un consentement à ces entités? Oui, parce que lui considère que... tu sais, c'est comme dans les dessins animés où il y a « ça y est, j'ai trouvé », il y a une sorte d'ampoule qui s'éclaire. Voilà. Sauf okay. que ça, là, n'a pas la même, ça n'a pas la même fréquence et la même vibration, on va dire, que les pensées qu'il capte habituellement. D'accord. Là, donc, ça... le fait qu'il accueille ses pensées, c'est considéré comme une permission. Oui. En tout cas, ça crée une connexion. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, oui. D'accord. Ok. On est dans quel pays, là? Iran. D'accord. Et on est à peu près à quelle époque, sans vouloir faire d'historique? 14e siècle. 14e. D'accord. Ok. Donc, c'est là qu'il y a eu la permission. Pour la curiosité, pour quel genre de bâtiment il travaille là? C'est une sorte de palais. Il est mandaté par des puissants pour construire une sorte de palais, quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Donc, on revient ici et maintenant. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vois d'autre? Si tu continues à le scanner, que vois-tu comme dispositif ou anomalie? L'image est floue, c'est-à-dire que c'est comme si tous les circuits
de sa biologie était en vibration, était dérangée à côté de leur fréquence naturelle. C'est, tu sais, ça fait comme les mirages dans le désert où ça vibre. Tu veux dire que ça empêche ta visibilité? Oui, parce que ça vibre tout à l'intérieur de lui. Tous ces circuits vibrent, qu'ils soient veineux, lymphatiques, nerveux, tout le système endocrinien, même ces systèmes de perception visuelle, auditif, tout son système neuronal, système nerveux central, tout vibre. D'accord. Et donc, pour voir précisément, tu fais un arrêt sur image, comme au cinéma. Comme ça, ça arrêtera de vibrer et tu pourras voir distinctement tout ce qu'il y a à voir. Oui, il y a des sortes je sais pas comment nommer ça, des sortes de pinces qui viennent s'accrocher à intervalles réguliers dans toute sa physicalité et sur chacun des systèmes qui viennent d'être cités. D'accord. C'est-à-dire que tout est truffé, en quelque sorte, sur le plan éthérique, de ces sortes de pinces qui sont elles-mêmes reliées à un réseau de fils qui les relie à ces filets vus précédemment et qui sont eux-mêmes chacun tirés dans des directions différentes par les entités citées précédemment. D'accord. À qui appartiennent ces pinces? Il y en a de différentes sortes, c'est-à-dire que chaque faction ou chaque type d'entité a posé ses propres systèmes de pinces, donc elles ne sont pas toutes semblables. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Oh non, il n'y a rien d'autre, hein, parce que c'est vraiment tout ce système de pinces. C'est comme des. C'est pas réellement des. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est pas réellement comme des pinces ou c'est comme des. Oui, c'est des fixations. C'est des fixations, en tout cas, oui. Sur les systèmes. Hein. Chaque système, ok. Bien. On va aller voir, avant qu'il entre dans cette fausse matrice, je veux savoir sous quelle forme tu le vois et d'où il vient. Je compte à trois, tu y vas. 1, 2, 3. Son énergie est assez pacifique, calme et... Il y a une sorte de surveillance. Il est affecté à la surveillance de la matrice, des couches de la matrice, mais pas artificielle, de la matrice naturelle, originelle de l'espace terrestre. D'accord. À quoi ressemble-t-il? C'est-à-dire qu'il était là avant l'installation de la matrice artificielle. Humanoïde, semi-transparent et très très grand. D'accord. Enfin, très et... grand. Quelque chose comme, si je prends par rapport à l'échelle humaine, quelque chose comme 5 à 6 mètres. Et quand même. D'accord. Où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il vient là? Il vient de là. Il a été affecté là. Il est là depuis tellement longtemps que la mémoire de d'où il venait avant, c'est comme estompé. Ça n'a comme D'accord. plus d'importance. Mmh. Quand tu dis qu'il a été affecté, il a été affecté par qui ? Par des présences humanoïdes à polarité féminine, ailées, qui sont
à l'origine de la mise en place de la vie sur les planètes. D'accord, et d'où elles viennent? C'est comme des sortes de gardiens, quelque chose comme ça, qui sont installés pour assurer le suivi, la mise en place correcte et comment dire, l'entretien de chaque biotope mis en place. Et elles viennent d'où, ces êtres féminines? Elles se déplacent partout, elles sont en constant déplacement. Il n'y a pas de base originelle. D'accord. Donc lui, il est là pour surveiller donc les couches de la vraie matrice. Oui. Et comment est-ce qu'il intervient? C'est quoi Ça agit simplement au niveau des fréquences. Je veux dire par là qu'il n'y a pas d'action sur le plan physique, d'autant plus que ce n'est pas en 3D. Il est en quelle dimension là? C'est à la limite entre la cinquième et la sixième dimension. Ok, donc par sa simple présence, donc il contribue à l'équilibre de ses couches, c'est ça? C'est un peu plus que sa simple présence, c'est-à-dire qu'il émane consciemment de lui les fréquences qu'il convient d'expanser. D'accord, par son intention donc. Oui. Bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé de cette forme d'existence jusqu'au moment où il entre dans la fausse matrice? Au moment de la mise en place de la fausse matrice, il y a une tentative de fuite. C'est comme une sorte de couvercle qui s'est un couvercle énergétique occultant et menaçant, comme une sorte de prison énergétique en quelque sorte, qui est venue s'installer sur l'espace terrestre. Donc il a tenté de fuir, de s'échapper par rapport à cette menace. D'accord, et ensuite Mais il n'a pas pu le faire, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu s'éloigner suffisamment, se mettre suffisamment à distance. Il a été simplement recouvert. Et je sais pas, comme désactiver. Ce qui vient, c'est désactiver. Il y a eu comme une sorte de chape de plomb, comme tu sais, quand tu as une anesthésie générale, tu es en pleine conscience et tu commences à compter et au bout de 3 ou 4, il n'y a plus rien. C'est un peu la même chose. D'accord. Et là, il se retrouve dans le circuit donc des incarnations, c'est ça, en gros. Après des reconditionnements, c'est ça le... C'est ça, il y a des reconditionnements successifs, mais en complète inconscience. Perte de mémoire, etc. Quoi. C'est ça, c'est comme s'il avait subi perte d'identité, une sorte, de sens. Une sorte de choc et perte de mémoire de ce qu'il était, de pourquoi il est là. Et même de sa propre identité, perte de conscience de sa propre identité. Bien. Combien est-ce qu'il a eu de vie humaine en tout sur Terre, en tout cas dans cette boucle? Il y a eu des longs moments de stase, parce qu'il y a eu des reconditionnements successifs. Et bien 51 incarnations. Quand même. Ok. Ok. Alors, on revient ici et maintenant. Oui. Alors, si tu continues à le regarder, est-ce que tu vois d'autres choses ou d'autres informations qui peuvent nous être utiles? Il y a
quelque chose qui vibre comme une sorte de boîte noire en arrière de sa nuque. Par rapport au corps physique, c'est situé quelque chose comme à une dizaine de centimètres en arrière, entre la nuque et les cervicales. Bien. Ça émet des fréquences et c'est comme une sorte de mise sous contrôle. C'est comme ça qu'il le retrouve dans les incarnations ? Oui. Bien. Ok. Tu vois d'autres choses ? Non, pour l'instant, non. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, c'est lui. Est-ce qu'il y a une portion d'ADN qui ne lui appartient pas ou des informations qui viennent d'ailleurs ? Non, c'est le sien. Bien. Demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Très bien. Alors, puisqu'il me cède son pouvoir le temps de cette session, en son nom, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archaïque. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, qui vois-tu en plus de celles que tu as nommées? Oui, il y a des entités de type démoniaque qui rôdent autour parce que tout ce système d'interférence vient le placer dans une zone de fréquence qui est la leur. Donc, il est là sur leur territoire. Donc, c'est pour ça qu'elle rôde autour de lui. Mmh. Et qui d'autre alors? Bon, directement autour de lui, c'est tout. Ensuite, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remonte en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Bien. Est-ce que tu vois des parasites à l'intérieur, sur et autour de lui? Non. Il y a trop de... Il y a trop de fréquences discordantes pour que des parasites puissent venir s'installer. Ok. Trop inconfortable pour elle. Mm-hmm. Pour eux, c'est ça. Bien, alors il déclare qu'il rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toute ligne de temps, toute fréquence, toute dimension, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel, étant toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Bien, on le met dans une bulle cristique de protection. Oui. Donc, il se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa et aspire énergie, vitalité, substance. Oui. Maintenant, il se connecte à son essence et fait descendre information originelle, énergie, puissance créatrice, amour, conscience. Il se rééquilibre, oui. Prend un rendez-vous de la stabilité, de la vigueur, de l'énergie et de la conscience de qui il est vraiment. Oui. Comment le vois-tu ? Ah, il est. Ça s'est stabilisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ces énergies discordantes. Maintenant, c'est devenu plus harmonieux. Est beaucoup plus léger en fréquence dans son espace énergétique. Ça lui a permis de se poser. Bien. Vérifie à présent, scanne-le, regarde s'il reste quelque chose quelque part. Sur tous les plans, dans tous les corps. Toutes les fréquences. Non, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Regarde en termes de résonance, réminiscence, etc. Écho. Non, il n'y a plus rien. Plus rien, d'accord. La boîte sur la nuque. Elle n'est plus là. Parfait.
Eh bien, donc on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quel état il est. Il est sur le plan morontiel en observation, tranquille. Bien, comment tu vois son âme? Elle est pas à l'aise, comme dans une sorte de questionnement de ce qui se passe avec comme cette sensation de danger imminent au-dessus d'elle. Donc elle n'est pas tranquille et posée, elle est sur le qui-vive. D'accord, et sa partie subliminale. Elle s'est éloignée de la partie physique pour ne pas subir les contre-coups de tous ces courants discordants. D'accord. Bien. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat de partir du plan Morancel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à tout son potentiel intérieur, son équilibre, bien sûr, et l'amour qu'il est. Oui. Alors on y va. 1, 2, 3. Oui. Bien. Je suppose qu'il sait pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Philippe pour recréer une nouvelle ligne de temps à neuf, une nouvelle ligne de temps, pardon, et une incarnation à neuf avec l'accès à tout son potentiel intérieur, dans son équilibre et l'amour qu'il a. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Alors on y va. En mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition de la fausse matrice. 1, 2, 3. Oui. Demande-lui maintenant sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, quels sont ses projets pour la vie de Philippe? C'est de pouvoir exprimer en toute liberté, expandre et diffuser en toute liberté ses propres fréquences. C'est-à-dire en quelque sorte. Il y a comme une sorte de continuité dans les intentions du soi supérieur, avec cette intention, quel que soit le lieu, quel que soit le moment et quelles que soient les conditions, de repousser les limites, de possibilité de stabilité de ces fréquences. Donc là, pour le soi supérieur, c'est une occasion, c'est quelque chose de rare, c'est considéré comme étant quelque chose de rare et comme une expérience précieuse de saisir cette opportunité d'incarnation dans la physicalité. D'incarnation humaine en 3D, de pouvoir expérimenter cela. D'accord. Comment est-ce qu'il compte s'y prendre en étant humain dans l'incarnation, dans les conditions, qui sont les nôtres en ce moment? C'est comme une sorte de challenge pour le soi supérieur, c'est-à-dire de rester calme, serein, stable, léger. Ou en fréquence, quelles que soient les tempêtes énergétiques environnantes. Très bien. Ok. Ça, je dirais que c'est la recette pour tout le monde. Oui, mais là, il y a. C'est comme si ça n'était pas. Comme j'allais dire, possible, c'est que les conditions ne sont pas les mêmes. Là, il y a quelque chose comme une sorte de programme qui se duplique, tu sais, comme quand tu fais une expérience et que tu reprends le même process, mais dans des conditions différentes pour en tirer des conclusions. D'accord, ok. Faire des comparaisons par contraste, quoi, c'est ça? C'est ça. Pour affiner et ajuster le travail. C'est ça. Et sur le plan physique incarné en 3D dans l'humanité,
ça fait partie d'une expérience plus globale. Ok, bien. Quel moment choisit-il pour entrer à 100% dans sa physicalité? Juste après la conception. Quelque à chose quel comme, pourcentage? Juste après, c'est dans le laps de ce qui est notre temps, de l'heure qui suit la conception. Bien. À quel pourcentage est-il connecté à sa source en ce moment-là? 98%. 98. Ok, tu lui proposes de monter à 100%. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Quel dysfonctionnement, quelle programmation discordante tu vois? Quelle anomalie? Comme s'il y avait des affaissements dans l'arbre généalogique. Qu'est-ce que ça cause comme problème aux âmes qui s'y accrochent? Des baisses de fréquence, des baisses d'énergie, des baisses de, comme des baisses de morale ou quelque chose comme ça, mais qui viennent retentir même jusque dans la biologie. Ok. Donc, demander la conscience de l'arbre, c'est on est autorisé à intervenir sur lui. Oui. Alors, regarde à quel moment dans sa lignée tout ça a commencé et dans quelles circonstances. Tu vas à ce moment-là, toute première fois. 1, 2, 3. Ça s'est fait petit à petit. Hein. C'est comme si cet affaiblissement, en quelque sorte, et ces affaissements se sont mis en place petit à petit au fur et à mesure de l'avancée dans la lignée. Il n'y a pas d'intervention extérieure qui a permis cet affaissement? Si, il y a comme une sorte de pincement. Ah, encore des pinces. Originel. Tu sais, c'est comme c'est une image, mais c'est comme si on perçoit la lignée comme une sorte de tuyau avec de l'énergie qui passe à l'intérieur, et il y a quelque chose qui vient pincer, appuyer sur ce tuyau et qui vient en abaisser l'énergie vitale qui circule à l'intérieur. Ok, à ce moment-là, du premier pincement. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui provoque ce pincement? C'est lors d'une sorte de vérification du taux fréquentiel, vérification du taux fréquentiel des lignées humaines qui sont là en cours de déploiement. Et qui est-ce qui vérifie ce taux fréquentiel? C'est des présences reptiloïdes, mais qui agissent sous l'autorité archontique. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elles font à ce moment-là? Elles voient que les fréquences sont trop hautes, c'est ça? Oui. Et qu'elles font? Elles abaissent, elles viennent comme mettre au même niveau et appuyer là sur les lignées qui sont les plus puissantes. Elles viennent appuyer dessus pour les réduire et abaisser leur puissance, pour garder le contrôle dessus. Bien, alors on va aller juste avant que cet événement ait lieu, juste un petit peu avant. Oui. Voilà, tu t'adresses à la conscience de l'arbre et tu lui montres les images de ce qui va se produire prochainement. Et tu lui proposes qu'il trouve une solution pour éviter cette situation. Oui. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il y a une montée en fréquence, une montée en puissance, c'est-à-dire qu'il y a un renforcement de l'énergie qui passe au travers de la lignée, ce qui empêche qu'elle soit affectée par ce poids qui vient l'écraser. Très bien. Alors pour compléter ça, on va connecter l'arbre à la source. Faire descendre information originelle, énergie, puissance créatrice, conscience, amour. Et cette puissante énergie la touche jusqu'au cœur, le touche. Qu'est-ce qui se passe?
cette montée en puissance de l'intérieur se diffuse vers l'extérieur et vient sécuriser jusque sur la couche extérieure de la lignée. Donc ça rend au lieu que l'extérieur soit souple et déformable, ça devient rigide et intouchable, indéformable, inaccessible. Il n'y a pas de possibilité de modification. Très bien. Alors, regarde maintenant comment ça impacte donc, Philippe et sa descendance. Ça apporte de la résistance. Ça fait monter le niveau de fréquence et ça apporte de la résistance d'un point de vue énergétique. Ça impacte même jusqu'au niveau de stress. C'est-à-dire que les consciences individuelles incarnées sur la lignée ont une plus forte résistance au stress. Bien. Alors maintenant, il va enrouler son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. À présent, demande-lui qu'est-ce qu'il veut faire avec son arbre. Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il coupe à 40% environ et pour la partie restante, il réinforme et réaménage. Tu me diras lorsque c'est fait. C'est fait. Maintenant, son ADN, qu'est-ce qu'il compte faire? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Ou est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le remplace. Alors, on élimine l'ancien. Avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses projets d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu vois des 10? Combien sont connectés et activés? Il y en a 7 de connectés et 5 d'activés. Est-ce qu'il peut activer les deux autres? Oui. Ah ben, dis-moi quelle différence ça va faire pour lui. Ça vient le renforcer d'un point de vue énergétique. Ah, j'ai oublié de te demander s'il peut avoir... C'est comme si ça lui donnait des outils supplémentaires. D'accord. Il peut rajouter des programmes? Oui. Allons-y. C'est fait. Voilà. Ça fait quoi comme différence, là? Avec ces nouveaux outils, alors c'est une analogie, mais c'est comme si ça lui donnait le mode d'emploi, en plus. Très bien. À présent, on va regarder les programmes archontiques, tous les programmes de limitation, séparation, dualité, tout ce qui limite l'expression, l'expérience humaine et toutes les parties de lui. Donc, demande-lui s'il est d'accord pour s'en débarrasser. Oui. Allez, on élimine tout ça. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Il les remplace par ses propres programmes avec sa propre énergie, sa propre essence. Oui. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Parfait. Maintenant, il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là, à son naissance? 78%. Très bien. Alors, donc, il monte à 100% tout en vérifiant ses racines. Oui. À présent, il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement, et il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, son équilibre, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise.
C'est fait. Maintenant, nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Pour cela, il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Bien. Philippe, je te conseille d'être pleinement présent et participatif à tout le processus, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé. Et bien sûr, j'invite les personnes qui assistent à cette séance d'en profiter pour elles-mêmes en dehors des histoires de Philippe. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, alliances, serments, allégeances, promesses, accords, tacite, conscient ou non, de manière non tacite ou non conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité sur tous les plans. Donc, sur tous les plans et dans toute, sur toute la séance. 1, 2, 3. Oui. Parfait. Il y a l'image qui se fiche de temps en temps, mais on va essayer de faire avec. Nous allons donc procéder à l'annulation de toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient. 1, 2, 3. Oui. Donc, effacer. Les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, sa créativité illimitée, son discernement, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Il n'y en a pas. Parfait. Alors, on inclut tout ça dans tous les états de conscience. Oui. Il déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source, et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes, et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Donc maintenant, nous allons travailler la dimension psychologique. Donc si tout ne concerne pas Philippe, tout y est proposé. Il déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres, ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, il déclare, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, de succès, d'équilibre, de créativité, d'amour, etc. Et d'abondance, bien sûr. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis créateur de ma réalité, donc responsable. Oui. À présent, le protocole du pardon. Il déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et aux inconnus, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et que je sais également que la vie n'est qu'un grand théâtre et donc un grand jeu. Oui. Et que j'entends en profiter pleinement en la reprenant entièrement en main. Oui. Maintenant, il déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Bien. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qui est juste et bon pour lui. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celle précitée de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. Vérifie s'il y a quelques traçages ou marquages, matriciels ou archaïques, ou tout autre moyen de le repérer. Non, il n'y en a pas. Alors, il entre dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? Avec la fleur de vie et la graine de vie. Il y a eu une perte de connexion, excuse-moi. Tu peux redire? C'est une forme humaine. Il est en train de créer les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. D'accord. Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait.
Bien. Alors, il demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, nettoyages, guérisons, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lémniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Bien, tu stabilises, sécurises et pérennises. C'est fait. Ok. Est-ce que ça va, toi? Oui. Alors, il y a une perte de connexion, hein, c'est un peu instable. Je t'entends parfois à moitié. Alors, connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabiliser, sécuriser, pérenniser. C'est fait. Installer un programme anti-ondes et fréquences nocives avec les couches supplémentaires. Oui. Un programme contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un programme contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un programme contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui. Oui. Un contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un programme contre la vaccination, les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Et un programme contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Oui. Tu as programmé donc la stabilité et la sécurisation de tous ces programmes. Pérennité. C'est fait. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. Oui. Et maintenant, il crée et active son code de vie. C'est fait. Sécurise. Oui. Nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Pour chacun, je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, etc. sur tous les plans pour chacune des parties. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Cœur de guerre pour recevoir énergie, substance et conscience. Oui. Et vitalité, pardon. Et connecté à son essence pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. Il déploie une sorte de... Ça se présente comme une sorte de filament qui s'expanse, qui devient de plus en plus puissant. Ça part du chakra du cœur. Ça s'expanse tout autour de lui. Ça grandit, ça vient englober et protéger tout son espace énergétique. Tout l'intérieur de cet espace ovoïde est sécurisé et à haute fréquence. Il vient s'y placer au centre. Et là seulement, il déplace doucement son atlas.
Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Onde augmente en puissance tout au long de sa descente et arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses, sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Bien. Donc, il enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinuosité que nécessaire issue de la pro. Tu Tu es m'entends? là? Oui, mais j'ai pas entendu ta réponse. C'était bon? Il y a des micro-coupures. Oui, je sais. J'ai pas entendu. Ah, d'accord. Donc, il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Bien. À présent, je propose à son mental l'ensemble des systèmes principaux desquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans l'ensemble de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annuler et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. Pour chacun des systèmes et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Donc, que chacun des systèmes soit donc recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version originelle. Oui. Et que chacun d'eux soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glandes immunitaires hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation et élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau, des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toute programmation sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Oui, c'est fait. Donc, système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire avec le tableau général. Oui, c'est fait. Système bio-électrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycles vitaux, organiques et systémiques. Oui. Tableau général de tous les systèmes. Oui. On stabilise, sécurise et pérennise chacun d'eux. C'est fait. Et à présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la.
Emmanuel, tu m'entends? Oui, je suis là. Toujours des micro-coupures. Donc, il commence le process pour l'ostéopathie. Il se sert de... C'est comme une sorte de baguette lumineuse, multifréquentielle. Oui. L'équivalent d'une sorte de diapason, mais là, ça se présente sous une forme de baguette. Et il vient y accorder chacun des organes, chacun de ses organes et systèmes. Chacune des fréquences portées par cette baguette. Ça crée des micro-mouvements dans tout son corps, des résonances jusqu'au cœur des cellules. Ça vient vibrer jusqu'au cœur de chaque cellule, de chaque organe, de chaque système, de chaque tissu, de chaque tendon, cartilage, jusqu'au système osseux. D'où vient trouver un nouvel équilibre. Il y a des micro-déplacements qui se passent dans tout le corps, comme une sorte de réorganisation générale, un nouvel équilibre qui se met en place dans toute sa physicalité. Et c'est fait. Micro-kiné. Il y a actionné les points de correspondance et ça vient déployer ses corps subtils, harmonieusement. C'est fait. Massage métamorphique. Il vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Bien. Système, donc tu stabilises, sécurises, pérennises. Oui. Système des chakras et des glandes associées. Que chacun des chakras soit tout d'abord connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Que chacune des glandes soit donc décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double l'hémniscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Allô. Emmanuel. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Emmanuel? On va tous les avoir, hein? Voilà. Donc, nous en étions au chakra. Donc, je disais, alors, on va dire chakra racine, donc souterrain et aérien. Ça, ça a été fait. Oui. Maintenant, les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. Très bien. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Voilà. Donc, avant de continuer, j'aimerais que tu vérifies qu'est-ce qui provoque ces perturbations de connexion. Regarde, prends de l'information et regarde ce qui se passe. Mais c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose de militaire en arrière-plan, mais ce n'est pas lié à nous directement. C'est comme s'il y avait des sortes de mouvements, de préparatifs à quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais c'est lié au réseau informatique en général. D'accord. C'est comme s'il y avait des sortes d'essais sur zone. Alors, j'aimerais en savoir un peu plus quand même sur ces préparatifs. Connecte-toi sur l'intention de ceux qui sont aux manettes de cette opération. Il y a des intentions de déconnexion, de désactivation de certains réseaux. D'accord. Et dans quel but? Euh,
c'est comme s'il y avait le projet d'une, je sais pas, d'une désorganisation, mais organisée, d'une sorte de désorganisation du système, mais du système en général. C'est comme si il était prévu, pas tout en même temps, mais par portions, par morceaux, de désactiver certains circuits ou réseaux ou liaisons Internet. D'accord. Mais qui est-ce qui est visé là-dedans ? Ce sont plutôt les gens du peuple ou autre chose ? Pas exactement. C'est-à-dire que ce qui est visé, ce sont plutôt les organes économiques de la société. Donc tout ce qui est magasin, transactions financières, banques, etc. Mais il y a des... Ce qui vient, c'est comme s'il y avait des sortes d'essais sur le peuple lui-même, parce que là, ça n'a pas d'importance. C'est considéré comme n'ayant pas d'importance. C'est comme s'il y avait des sortes d'essais de coupures avant des coupures plus générales et plus globales et plus gênantes et plus handicapantes pour le fonctionnement de la société en général. Et quand ils veulent, on va dire, paralyser le système, tous ces systèmes donc, économiques, etc., qui est-ce qui est visé ? C'est le peuple ? Et c'est quoi l'oracle ? C'est pour créer une sorte de désordre, d'insécurité, de sensation, de sentiment d'insécurité dans la population pour qu'elle se sente déstabilisée, en insécurité et en demande d'aide. Est-ce que c'est encore le système de, on va dire, de picouse qui est en jeu? C'est lié. D'inoculation, je veux dire. Ah, je vais éviter l'autre mot parce qu'en plus, ça n'en a pas un. Alors, c'est une stratégie dans laquelle les militaires sont impliqués. Oui. Il y a des essais sur zone, comme s'il y avait des micro-zones visées, zones géographiques, les unes après les autres, ou comme des secteurs. Parce qu'au niveau des réseaux Internet, c'est comme si ça fonctionnait en portions, en secteurs. Et donc là, on a seulement des perturbations, c'est pas complètement coupé, donc ça veut dire quoi? Que c'est juste des mini-essais comme ça ou Oui. Ok. Oui, c'est des essais avec des conséquences, on va dire, collatérales et considérées comme étant sans importance. Donc, tu veux dire qu'ils sont en train de faire une préparation à quelque chose de plus général en termes de perturbation et de désorganisation ? Oui, c'est ce qui est prévu. Regarde qui est derrière ça. C'est comme quand tu déconnectes quelque chose momentanément pour installer un autre système en arrière-plan et que tu reconnectes ensuite. Donc, on est dans ces moments-là de déconnexion parce qu'il y a autre chose qui est en préparation, en installation en arrière-plan. Ah oui, et qu'est-ce que c'est qu'ils ont installé alors ? C'est des systèmes de déconnexion du système Internet à plus grande échelle. D'accord, ok. Tu peux voir qui est derrière tout ça ? D'où viennent les ordres ? Tu n'es pas obligé de nommer des noms hein, pour ne pas... Voilà, si on veut continuer à travailler, il vaut mieux éviter, mais on s'en fera une idée. Ouais, de toute façon, ça passe au-delà des systèmes politiques. C'est en arrière-plan, c'est plutôt au niveau industriel. Il y a...
Ah, c'est ça, c'est au niveau industriel que ça se passe. D'accord. Est-ce que ça a à voir avec ce grand reset? Oui, c'est directement lié. Bah, d'accord. Donc ils sont en train de préparer, ça serait imminent alors. Oui, c'est imminent. C'est ce qui est prévu, du moins. Encore une fois, c'est ce qui est prévu. Oui, ça, C'est-à-dire qu'il c'est y ce a qu'ils une sorte voudraient, de... quoi. C'est ça, il y a une aimantation, une attirance. Tout est fait pour... tous les des efforts démesurés sont faits pour aller dans cette direction-là. Ok, donc ça touche le transhumanisme, etc. Hein? Oui. Ok. Où est-ce que tu vois, ben, regarde globalement déjà en France, quel impact ils ont actuellement vu l'accélération des mesures? Qu'est-ce qui fait qu'ils accélèrent les mesures comme ça? Est-ce qu'ils se sentent en danger, menacés, ou au contraire, ils sont dans l'arrogance, ils sont sûrs d'eux, ils disent on peut y aller à fond? Non, il y a une sorte de... Il y a une sorte de... L'accélération est due à, au contrepoids qui génère une sorte de panique. Il est impératif d'avancer les plans, comme si ce n'était pas prévu de façon aussi précipitée. Il y a Oui, on voit qu'il y a une précipitation. une sorte de course contre la montre qui se joue. J'aimerais que tu regardes plus précisément la nature de ce contrepoids. Quel est ce contrepoids qui les met dans cet état d'urgence finalement? Il y a des combats à armes égales. Il y a une sorte de... C'est comme s'ils n'avaient pas... C'est comme s'ils avaient compté sur une apathie générale et qu'ils avaient sous-estimé la capacité de réaction, de défense et d'attaque, y compris par des moyens légaux. Je veux dire que ces actions qu'ils ont menées de procès, etc., donc par une Et voie légale, est-ce que c'est... c'est des grains de sable successifs qui sont tout à fait... en capacité de gripper et de stopper complètement la machine. Même Est-ce que si les un grain de, manifestations... même si un grain de sable, donc là je parle des actions Juridique? notamment sur le plan juridique, même si ça paraît être des grains de sable sans importance et totalement inefficace en arrière-plan puisque le rouleau compresseur continue en apparence à avancer, grain de sable après grain de sable. Le résultat, c'est l'ensablement. Bien. L'ensablement et l'arrêt de ce rouleau compresseur. Très bien. Et au niveau de toutes ces manifestations qui ont lieu, est-ce que ça a un impact sur eux ou alors ils s'en tapent sur le ventre? C'est considéré comme une menace. Mais c'est plus lié à l'apparence. C'est-à-dire que ce contre-pouvoir, il se joue sur l'apparence par toutes ces manifestations et il se joue de manière sous-jacente par d'autres actions. Mais ça peut basculer. La menace qui, dans un premier temps, là, des manifestations se joue sur... L'apparence, alors ce que j'entends par apparence, c'est que comme ça se voit, comme c'est apparent, ça met à mal leur image et ça les met à découvert. Et il y a une, ils craignent le point de bascule, le point de bascule. Qui à la fois est voulu aussi, c'est assez étrange parce que il n'y a pas un clan contre un autre. Y a plusieurs intérêts qui ne sont pas du même avis et qui luttent même les uns contre les autres pour la prise du pouvoir du peuple, pour la mainmise sur le peuple, sur l'humain. Et il y a une sorte de désorganisation dans leur rang, accentuée donc
par les actions de type judiciaire d'une part, et dans leur rang, il y a une partie qui souhaite les affrontements, la guerre civile, et l'autre qui le repousse, qui le redoute. Quelle est la partie qui redoute la guerre civile, sans nommer de nom? Ce sont les pions éjectables, c'est-à-dire ceux qui ont pour l'instant la main d'un point de vue visible au niveau du pouvoir exécutif. Est-ce que tu parles du gouvernement? Oui, parce que c'est des pions éjectables. D'accord. Et ils seront écrasés. Si ça saute, s'il y a guerre civile, ils seront écrasés. Ok. Et ceux qui souhaitent cette guerre civile, de qui s'agit-il alors? C'est ce qui est en arrière-plan. C'est pas profond. C'est pas sur le plan... ça ne se joue pas sur le plan politique. Le plan politique, c'est seulement des pions éjectables. Ceux qui souhaitent en arrière-plan la guerre civile, c'est ceux qui souhaitent la réinitialisation pour D'accord. pouvoir tout écraser, tout mettre à plat et mettre à la place un nouveau système globalisé et entièrement contrôlable. Donc là, on est avec le forum de Davos, c'est ça? Oui. Et tous les acteurs comme Bill, c'est George. Ça. Après, c'est des puissances financières et industrielles, et qui sont plus puissantes que les politiques. Est-ce que tu vois qu'eux se sentent menacés dans ce qui se passe aujourd'hui? De qui parles-tu? Ceux des profonds, les Bill, etc. Les Georges, les Bill, celui du forum de Davos, Klaus. Ils ont encore des cartes à jouer. Donc pour eux, ça n'est pas terminé. Ils sentent le danger, mais ils esquivent à chaque fois. Et à chaque fois, il y a des parades de prévues et il y en a encore en réserve. Ok. Comment est-ce que tu vois en France au niveau de l'armée, de la gendarmerie, de la police? Est-ce que tu vois que c'est en train de basculer ou pas? Il y a des divisions, mais les fêlures ne sont pas suffisamment importantes pour que tout bascule, là tout de suite, maintenant. D'accord, ok. Et sur un plan mondial, j'en profite pour voir toutes ces catastrophes qui ont lieu. Encore une fois, ce qui peut changer, c'est-à-dire que là tout de suite, maintenant, la fêlure n'est pas suffisamment importante, mais ça bouge très vite, très très vite, donc ça peut changer. Tout est possible. D'accord. Ok. Juste une chose par rapport aux inondations qui ont lieu partout dans le monde, des sécheresses qui créent des famines. Regarde à quoi est-ce que c'est dû. Est-ce que c'est vraiment climatique? Ça fait partie de ce programme de réinitialisation, économique, financière, mais aussi de l'humanité. C'est-à-dire que c'est lié au projet de dépeuplement de l'humanité pour que la partie restante soit complètement choquée, manipulable et avec un redémarrage à zéro. D'accord. Juste une chose, on a vu en Chine qu'il y avait des rivières, une rivière qui était rouge. Regarde, qu'est-ce qui fait qu'elle est... Regarde d'où ça vient ce rouge dans la rivière. C'est comme s'il y avait plusieurs plans. Mmh. C'est la manifestation sur le plan physique de ce qui se passe sur d'autres plans. C'est-à-dire que c'est la manifestation physique de ce qui se passe sur un plan satanique. Mmh. Est-ce que ça va avec du sang, etc.? Ça n'a pas à voir directement avec du sang, mais ça emporte la violence,
le symbole, mais inversé, c'est-à-dire pris dans le sens de mort, de destruction. D'accord, donc ça apporte la fréquence, en gros, puisque c'est ça. Le sang est à la fois synonyme de vie, de vie et, de et de mort, mais là, c'est pris dans le sens de destruction pour marquer l'inconscient. D'accord. Et est-ce que ça va avoir des rituels qui sont réalisés actuellement ? Oui, c'est en lien direct. D'accord. Ok. Ok. Alors, combien est-ce que tu vois à peu près de pourcentage de personnes, on va dire ? Ça contribue à abaisser les fréquences. Ça maintient. Alors, non seulement il y a le choc des inondations en elles-mêmes, des pertes humaines. Matérielle et humaine, mais cette couleur-là relie directement les consciences choquées à des fréquences basses, sombres et violentes, et d'ordre satanique. D'accord. Ok. Et qu'en est-il, il est dit dans certains endroits que le président que je nommerai pas, le nôtre, serait décédé au mois de mai. Regarde si tu as de l'information et si elle corrobore. Alors, ce qui vient tout de suite, c'est qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui, c'est ça. Donc, peu importe celui qui est là, l'image, celui qui est montré, leur permet de continuer à faire avancer le rouleau compresseur. D'accord. Donc, c'est pas qu'il y aurait eu une disparition par l'intermédiaire de sauveurs qui vont arriver. Comme l'armée ou autre. Ça n'a aucune importance, que ce soit lui ou pas, ça n'a aucune importance. Mmh. Il suffit simplement qu'il y ait son image pour maintenir l'illusion et que le plan continue à se dérouler. Ok. L'initial, c'est comme s'il était désactivé. D'accord, désactivé. Je ne sais pas s'il est décédé ou pas, mais c'est comme s'il était désactivé. Ok, donc celui qui a été élu, élu. Il y a des sortes de tremblements, c'est comme s'il avait été atteint de tremblements et qu'il n'était plus opérationnel, quelque chose comme ça. Donc tu le vois quand même vivant encore alors ? Le mot qui vient, c'est désactiver. Désactiver, bon, ok. Donc, ce qu'on voit actuellement dans les médias, c'est pas lui. Non. C'est un clone. Un parmi d'autres. C'est des clones ou des gens simplement qui lui ressemblent ? Alors, il y a les deux. Il y a des clones, mais qui ne semblent pas pouvoir durer. Et il y a comme toute une sorte de batterie de personnages qui ont une existence plus ou moins réelle. Il y a aussi des hologrammes en 3D et il y a aussi des humains qui sont quasiment ses copies, mais qui ne sont pas des clones. D'accord. Ok. Alors, juste le mot de la fin, est-ce que tu vois, quel pourcentage tu vois de chance pour que, on va dire, ils échouent dans leur projet ? Alors, c'est bien que c'est ici et maintenant, hein, c'est-à-dire que les lignes de temps sont très variables et très fluctuantes vu la situation, mais là, ici et maintenant, quel pourcentage tu vois de chance de réussite dans leur projet ? Ta question est un peu complexe parce que c'est comme ce qui vient maintenant, c'est que le rouleau compresseur va continuer à se dérouler à, à,
va continuer à avancer avec d'énormes dégâts. Et c'est comme si, in extremis, la vapeur allait se renverser. Mais avant que la vapeur se renverse, il va y avoir d'énormes dégâts et de pertes humaines, matérielles, financières, de désordre. D'accord. Ok. Donc, il faut quand même se préparer psychologiquement et spirituellement à cette possibilité. Oui. En sachant que c'est encore au stade de la possibilité, bien sûr. On ne peut pas faire de prédiction, bien évidemment. Tout peut basculer à chaque moment, c'est ça? Tout peut basculer à chaque moment, mais là, tout de suite, maintenant, dans la ligne principale, le rouleau compresseur continue à avancer et avec un arrêt, mais pas tout de suite. D'accord. Ok. Donc pour l'instant, ils semblent tous sur deux, là, ils sont de plus en plus arrogants. Est-ce que tu vois que c'est une apparence simplement ou est-ce que tu vois qu'ils sont, vraiment déstabilisés et insécurisés? Ils tentent le tout pour le tout, c'est-à-dire continuer de faire comme si de rien n'était. Parce qu'il y a toujours cette attitude-là soutenue par les consciences qui accordent foi, qui portent crédit. Quel conseil on peut donner aux personnes qui vont écouter cette vidéo pour qu'ils gardent confiance et qu'ils, on va dire, qu'ils contribuent à faire basculer dans le sens du vivant et de la justesse. C'est continuer à... Il y a quelque chose lié à l'activation. Continuer à être actif. Les fréquences hautes et actif. Et c'est cette activité, qu'elle soit sur le plan physique ou sur le plan psychique et spirituel, qui pèse dans la balance et qui... contribue à inverser la vapeur. D'accord. Ne pas se laisser emporter par le désespoir et de ne pas se fier aux apparences, c'est ça? C'est ça. Oh, ok. Être dans une espèce d'attitude de témérité? Oui. Bien. Donc, tout est toujours possible, bien évidemment. On est d'accord, hein? Oui. Bien. Ok. Alors, ça va être la fin de cet endroit, cet extrait que je mettrai en ligne. On va travailler sur maintenant le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Donc, il rééquilibre les polarités avec la plan neutre pour les mettre au point zéro. Oui, c'est fait équilibrer. Et pendant que son élémental continue de travailler, donc nous allons prendre sa liste. Alors, il s'agit bien sûr de l'enseignement de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Alors, la plupart des points, c'est plutôt sur le plan physique. Donc, on va traiter le plan physique globalement, pour commencer, avant de traiter, on va dire, localement. Donc, globalement, on va voir tout ce qui a trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, traumatisme, habitude de fonctionnement et autres. Oui. Donc, on fait un nettoyage général sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties concernées soit réinformée et stabilisée. Oui. Connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Que son élémental envoie de l'énergie et de la vitalité dans les doses nécessaires à chacune des parties. Oui. On stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Très bien. Alors, donc, la première chose qu'il a nommée, c'est l'eczéma, donc,
Donc, attends, excuse-moi, j'aurais pu me relire. Voilà. Donc, l'eczéma et la gêne respiratoire. Regarde à quoi, qu'est-ce qui se passe? L'eczéma, lorsqu'il était petit, donc aujourd'hui, il a eu de l'asthme. Et donc, aujourd'hui, voilà, il en reste une gêne respiratoire. C'est une réaction de l'élémental du corps physique. Oui. C'est comme un choc reçu dès les débuts de l'incarnation sur encore, c'est-à-dire que au fur et à mesure des incarnations, il y a comme une sorte de baisse de son énergie vitale. Et à chaque nouvelle descente dans une incarnation, il y a toujours cet espoir d'échapper au fait d'être rattrapé, d'être interféré comme dans les incarnations précédentes. Parce qu'il y a de moins en moins de... les capacités de réaction sont affaiblies. Donc, c'est le choc de résistance, c'est-à-dire que il y a l'élémental du corps, il y a eu comme une surprise. Oui. Allô, allô, tu m'entends? Oui. Oui, excuse-moi, il y a eu une perte de connexion. Est-ce que tu peux redire, s'il te plaît? Il y a une sorte de rejet et comme d'allergie de l'élémental du corps physique par rapport à ce... ça fait partie des premiers filets, même du premier filet, dès les premiers symptômes observés dans l'incarnation qui a été mis sur lui. Bien. Regarde sur cette nouvelle ligne de temps. Pardon. Est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose avec ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Il reste encore des habitudes de fonctionnement, des traumatismes et des résonances. Bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, partout où ça se trouve. 1, 2, 3. C'est fait. On réinforme chacune des parties concernées et on stabilise. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Apport d'énergie, de vitalité. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Bien. Regarde s'il y a encore quelques raisons qui feraient que cette gêne persisterait. Non. Bien. Très bien. Alors, autre point, donc il est sujet au phlébite, mauvaise circulation des jambes. Regarde qu'est-ce qui se passe. C'est la conséquence de ces sortes de pinces qu'il y avait d'installer dans tout son corps, dans toute sa physicalité. Bien, regarde simplement ce qui reste aujourd'hui sur cette nouvelle ligne de temps. Il en reste des empreintes et des résonances. Il n'y a pas de traumatisme? Si, mais c'est lié aux empreintes. Habitude de fonctionnement? Non, ce n'est pas des habitudes de fonctionnement, c'est simplement des conséquences. D'accord. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Alors, je veux que tous ces systèmes circulatoires, qu'ils soient sanguins, qu'ils soient lymphatiques, qu'ils soient énergétiques, je veux que tous soient traités en même temps. Donc, déjà, réinformer, stabiliser. Oui. Connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Un apport d'énergie, de vitalité. Que tout soit redynamisé. Oui. Y compris la souplesse des veines, des artères, etc., de tous les vaisseaux. Oui. Et on sécurise, stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Regarde comment sont tous ces systèmes maintenant circulatoires.
Ah, c'est beaucoup plus. D'un point de vue énergétique, il y a plus de force, il y a plus de souplesse, il y a plus de faculté d'adaptation. Ça pulse en énergie. Bien. Alors que son animental s'occupe plus spécifiquement de concrétiser tout ça dans sa matière. Oui. Bien. Alors, autre point, il a des pieds sensibles à la marche. Il a même un ulcère à la cheville gauche. Regarde déjà, qu'est-ce qui fait qu'il a cette sensibilité et d'où vient cet ulcère à la cheville gauche? Parce qu'il y avait comme une sorte de stase énergétique dans tout le bas de son corps et encore plus accentuée au niveau des chevilles et des pieds. D'accord. Ok. Alors, avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois que il en reste quelque chose? Oui, il reste des empreintes, donc des empreintes de traumatisme et des résonances, il reste. Très bien. Alors, on a mis tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties soit réinformée, stabilisée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, cœur de Gaïa, essence. Oui. Un afflux d'énergie et de vitalité dans les doses qui sont nécessaires pour chacune. Oui. On stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Et on va demander à son élémental d'agir plus précisément sur la sensibilité des pieds et sur cette ulcère à la cheville gauche, qu'il s'arrange pour la faire disparaître d'une façon ou d'une autre. Oui. Voilà, il sécurise tout ça et pérennise. C'est fait. Et un point très important pour Philippe, c'est le nerf trijumeau, donc à gauche de son visage, qui est très douloureux et surtout au froid. Regarde ce qui se passe. En fait, par rapport à l'ensemble de sa physicalité, autant dans la partie basse du corps, il y avait comme un ralentissement et une stase, jusqu'à l'état de stase au niveau de la circulation énergétique. Et dans la partie haute du corps, et plus on remonte, là c'est l'inverse. Ça va trop vite et de façon désordonnée. Et ça vient exciter de façon disproportionnée tout le système nerveux. Et au niveau de son nerf, là, ça a créé comme une sorte de court-circuit. D'accord. Regarde avec ce qui a été fait, est-ce que tout ça est régularisé, pas ou pas, et est-ce qu'il en reste quelque chose? Il faut faire un apport d'énergie calmante, rééquilibrante et calmante. Avant ça, est-ce que tu peux voir s'il y a des mémoires, traces, empreintes, ou est-ce qu'il y a des échos-résonances, habitudes de fonctionnement ou traumatismes? Il y a des habitudes de réaction surdimensionnées, des empreintes, des traumatismes et des résonances. Bien. Ces habitudes de réaction surdimensionnées, où est-ce que tu les vois inscrites? À la racine du nerf lui-même, dans son D'accord. système nerveux central aussi, et aussi en partie dans son système neuronal. Bien. On peut inclure la conscience cellulaire. Oui. Ok. Et on va dire que toutes les parties concernées, même pas vues, donc sont également touchées par. Enfin, on intervient dessus. Donc je compte à 3 et tout disparaît. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors que chacune d'elles soit maintenant réinformée et stabilisée. Oui. Connectée au chakra cardiaque, cœur de Gaïa, essence. Oui. Apport d'énergie, de vitalité. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et on va inviter son animal à agir plus précisément sur son nerf trijumeau et sur toutes les parties qu'il nécessite afin que tout disparaisse définitivement. Alors, je ne promets rien, bien sûr, tout est toujours considéré comme un essai, mais ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Donc, on stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Regarde maintenant si au niveau du système nerveux, système neuronal, conscience cellulaire,
et le nerf trijumeau plus spécifiquement, est-ce que tu vois que tout est bien régularisé et que tout fonctionne bien, que les énergies fonctionnent bien dans l'équilibre? Oui. Ok. Bien. Donc, il a eu une embolie pulmonaire. Donc, regarde aujourd'hui, est-ce qu'il en reste quelque chose? Ah oui, il reste des mémoires et des traumatismes. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. On réinforme et stabilise. Oui. Connecté au cardiaque, cœur de Gaïa, essence. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Et on invite son élémental à agir plus spécifiquement, faire ce qu'il faut. Oui. Voilà. Bien, alors il a une perte de mémoire, il dit qu'il est toujours tête en l'air, il se demande si c'est l'effet des substances médicaments qu'il prend ou si c'est autre chose. Donc il oublie des choses, il pose quelque chose quelque part et il ne se souvient plus où il le pose. Enfin bref, d'où ça vient ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des déconnexions provoquées artificiellement. Dans tout son système neuronal, mais c'est pour éviter qu'il... Donc c'est toujours lié à ce système de pinces là, disposées dans toute sa physicalité. C'est pour le maintenir en état de non-réaction qui pourrait être... incontrôlée et dangereuse pour les entités qui interfèrent avec lui. C'est un petit peu comme quand tu veux garder sous contrôle un animal, tu sais, ou ces oiseaux dont tu vas couper les ailes pour qu'ils ne s'échappent pas. C'est quelque chose comme ça, c'est similaire. Bien, ok. Alors, est-ce que tu vois que... Regarde son système neuronal, est-ce que tu vois que toutes les connexions sont faites à présent ou est-ce qu'il reste à en faire? Non, il reste des connexions à finaliser et à stabiliser. Ok. Avant ça, est-ce que tu vois qu'il reste traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, traumatisme, habitude de fonctionnement ou autre? Il y a des zones blanches, comme des zones de vide. Ok. Donc, son élémental va s'en occuper, qu'il n'y ait plus de zones blanches, plus de vide. C'est fait. Il recrée toutes les connexions. Oui. Voilà. Maintenant, on réinforme et stabilise. C'est fait. Connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Apporte d'énergie et de vitalité. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Vérifie s'il reste quelque chose à faire. Non, c'est bon, c'est correct. Bien, alors ça va être la fin de sa liste, donc on va procéder aux invitations. Ah non, pardon, on regarde son corps mental. Très important, on regarde toutes les programmations dans son corps mental et les croyances limitantes qui en découlent. Il y a des programmations comme s'il y avait des sortes de caches. Des programmations d'occultation avec des zones cachées comme des sortes de volets fermés pour qu'ils n'aillent pas regarder ce qui se passe derrière ces volets fermés. Donc ça, c'est au niveau du corps mental. Quelles sont les croyances qu'il a développées à partir de ça? Mais qu'il doit continuer à avancer simplement dans les, je sais pas comment dire ça, dans les zones qui sont éclairées ou dans le chemin qui est montré, dans le couloir qui s'ouvre devant lui. C'est à pas chercher ailleurs, quoi. Mm-hmm. C'est ça. Hein. Ok. Donc, est-ce que sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il en reste quelque chose là?
Des habitudes de fonctionnement, il reste. Elles sont programmées où? Dans le corps mental, dans le corps émotionnel aussi. Ok, alors on élimine tout ça. 1, 2, 3, éliminé. C'est fait. Bien. Maintenant, avec tout ce que ces autres parties ont compris, voilà, tout ce qu'elles ont vu et entendu, quelle est leur vision maintenant de la situation? Que c'était simplement un système de limitation et de contrainte, mais qui maintenant est complètement obsolète et dépassé. Très bien. Et qui n'existe plus, bien sûr. Non, ça ne nous concerne plus. Parfait. Alors, regarde maintenant, on revient bien sûr à l'ancienne ligne de temps, le corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à tout ça. Il y a cette sensation de limitation au niveau du corps émotionnel, c'est-à-dire qu'il ressent, c'est comme s'il ressentait qu'il était limité. Donc ça lui apporte de la, enfin ça génère plutôt de la frustration, de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, sous-estime de lui-même aussi, parce qu'il y a cette sensation de ne pas se sentir capable de surmonter, de ne pas arriver à surmonter. Donc ça génère tristesse, colère, rébellion et aussi sous-estime de lui-même. Bien. Regarde à présent au niveau des 5 blessures principales qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles sont prédominantes chez lui et comment elles s'expriment? Il ressent l'injustice des conditions de son incarnation, dans lequel il se sent seul et abandonné, que sa partie physique doive devoir se débrouiller toute seule sans avoir l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir améliorer sa situation d'incarnation. Il ressent l'humiliation de ne pas pouvoir faire plus et mieux, parce que justement, il lui manque ces informations. Donc ça qui génère la frustration et la colère. Et il y a aussi le fait de... cette sensation, il ressent clairement cette sensation d'abandon, de perte de connexion avec le soi supérieur, comme si c'était une trahison. Mais pourquoi donc? Est-ce que je n'ai pas tous les éléments qui viennent de mes parties supérieures? Okay. Donc pour pouvoir fonctionner quand même, il a mis en place un mode de fonctionnement qu'il estime, lui, au niveau physique, contrôlé, qu'il peut contrôler et sécuriser, mais il a été obligé d'effectuer comme des sortes de coupes énergétiques dans ce qu'il ne comprenait pas, dans ce qu'il ne maîtrisait pas. Donc, c'est comme une sorte d'auto-sabotage, mais pour pouvoir continuer à fonctionner. Et sur les parties, en tout cas, qu'il contrôle et qu'il maîtrise, ça fonctionne. Mais c'est quand même un fonctionnement en mode dégradé. Bien. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec ce qui a été fait jusqu'à maintenant, est-ce qu'il en reste quelque chose de tout ça? Ah oui, il reste des habitudes de fonctionnement, des mémoires, des traumatismes. Alors, on élimine tout ça. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Quelle est sa vision maintenant de tout ça, avec tout ce qu'il a compris alors? L'abandon, du soi supérieur, la trahison, est-ce que c'est toujours sa vision? Non, il perçoit maintenant que ce n'était que des illusions, en fait, des déductions que des parties de lui-même avaient faites, en étaient arrivées à ces déductions-là, à ces conclusions-là. Mais
parce qu'il y avait une perception faussée et limitée de ce qui se passait, de sa situation. Très bien, ok. Alors à présent, je veux qu'il prenne conscience de sa nature, de la nature de son essence, dans le cœur de son chakra cardiaque. Et il va stimuler par son intention, donc cette présence, il va en stimuler les informations originelles, la conscience, la puissance créatrice, l'amour, l'expérience humaine parmi d'autres. Oui. Il le ressent comme une puissance tranquille, quelles que soient les situations. Il a pleinement confiance à tout ce qui se passe, car il sait que tout est illusion et tout est scénario. Oui. Je veux qu'il passe à présent par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se télécharge, se réinforme à cet état d'être, cette vision des choses, ce ressenti, à ce savoir et cette connaissance. Oui. Bien. Il revient ici et maintenant. La boucle est bouclée. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Comment tu le vois à présent ? Tranquille, serein, stable, il y a une joie intérieure, un état de bonheur intérieur qui est là. Alors, Philippe, de le faire perdurer, de le faire vivre et grandir dans sa réalité. Bien, on va passer aux invitations. Mmh. Alors, donc, on invite Sylvie, sa compagne, hein, ses trois enfants, leurs trois enfants, pardon. Oui. La famille en général et les amis de cœur. Oui. Donc, il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire, d'en profiter. Est-ce que chacun choisit d'en profiter ? Oui. Est-ce qu'ils acceptent un petit coup de pouce avant de commencer ? Oui. Puisqu'ils me donnent leur permission, qu'ils me cèdent leur pouvoir le temps de cette session, en leur nom, je vais éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archabélique. Éliminer tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et autres inconnus, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tout ce qui est connu et inconnu en général, et dans tous les différents états de conscience. 1, 2, 3. Oui. Chacun se met dans une bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmée uniquement pour cette existence. Se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Philippe jusqu'à présent. Donc, adapté bien sûr chacun à sa propre situation. Oui. Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Bon, alors on va aller voir son père, qui n'est plus sur ce plan, et bien sûr son parrain. Mais on commence par le père. Dis-moi où tu le vois et dans quel état. Il est dans l'astral. Il est comme en attente. En attente de... Il voit défiler devant lui des... Ben, c'est les roues, en fait, d'incarnation. Il voit défiler devant lui des roues avec des images. Et ça va trop vite. Il attend que ça ralentisse pour faire éventuellement un choix de descente. Tu m'entends ? Je t'entends. Ah, une micro-coupure. Bon, est-ce que cette idée de vouloir se réincarner, elle vient de lui ou elle lui est, on va dire, inspirée ? Il n'y a pas de...
Il n'y a pas d'autre alternative qui se présente à lui. C'est ce qu'il pense en tout cas. Oui. Bon, tu peux communiquer avec lui? Oui. Alors présente-toi à lui, permets-lui de lire qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et qui nous envoie. Oui. Bien. Comment est-ce qu'il réagit déjà à notre présence? Avec étonnement. C'est inattendu. Il y a étonnement et curiosité. Bien. Demande-lui s'il a besoin d'un coup de main. Ah oui. Très bien. Alors, puisqu'il donne son consentement, on va le connecter à son essence, faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Et cette puissante énergie qui le traverse jusqu'au cœur du cœur, dis-moi ce qui se passe pour lui. Il y a une montée en fréquence qui se passe en lui et ça lui donne comme de la perspective. C'est comme s'il sortait ça lui a permis de prendre de la hauteur et de sortir de la zone dans laquelle il se trouvait. Donc il perçoit maintenant qu'il y a d'autres alternatives. Ah, très bien. Alors demande-lui ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut continuer en toute liberté et souveraineté dans l'expérience sur certains plans ou est-ce qu'il veut remonter à la source? Non, il veut remonter à la source. Bien, alors dis-lui que pour en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes ses énergies sur Terre, sur tous les plans, et il coupe tout ce qu'il y a à couper. Il ne laisse rien qui puisse le limiter ou le retenir. Oui, c'est fait. Parfait. Est-ce qu'avant de remonter, il veut dire quelque chose à celui qui a été son fils dans l'incarnation? Il le remercie de l'avoir contacté, d'avoir eu cette intention de contact qui lui a permis cette expansion de conscience. Et il y a une vague puissante et légère d'amour. Mais ce n'est pas l'amour tel qu'il a pu s'exprimer sur le plan terrestre, où c'est souvent bloqué, déformé, affaibli. Là, c'est beaucoup plus haut, puissant et léger. Et ça n'est pas entravé en quoi que ce soit. C'est extrêmement fluide et puissant et vitalisant. Très bien. Eh bien, tu me dis quand c'est terminé? Oui. Alors, on va le saluer. Il va pouvoir remonter maintenant directement par palier. C'est fait. Alors, maintenant, le parrain. Alors, regarde le parrain. Où est-ce que tu le vois? Dans quel état il est? Il est assez éloigné du plan terrestre. Comme si ça ne le concernait plus. Là où il se trouve, il y a comme des sortes de boules de lumière et il se déplace au milieu de ces boules de lumière. Il est encore sur le plan astral ou il est ailleurs? Non, c'est sur le plan astral, mais c'est à la limite entre le... Moi, c'est dans le moyen astral, mais plutôt dans les zones hautes. Bien. Tu peux communiquer avec lui? Oui. Bien. Vérifie d'abord son ADN éthérique. Confirme bien qu'il s'agit de lui. Oui. Bien. Alors, montre-lui qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et qui nous envoie. Qu'il prenne connaissance de tout ça. Oui. Et demande-lui s'il a besoin d'un coup de main. Oui, parce qu'il aimerait bien passer à autre chose. Et là, c'est dans quel que se dirige, il y a toujours ces boules
Allô? Recoupure, comme pour ne pas changer. Allô, allô? Oui, je suis Emmanuel? là. Oui, il y a une coupure. Il y a toujours cette boule, tu as dit? Ces boules colorées à l'infini. Dans D'accord, et sa c'est quoi? Il commence à s'ennuyer, ces boules? réalité, là où il se trouve, oui, il aimerait bien voir autre chose, expérimenter autre chose, mais là, il y a toujours ces boules colorées à l'infini. Et qu'est-ce qui l'en empêche d'aller ailleurs et de voir autre chose? Eh bien, où qu'il se déplace, dans quelle direction qu'il aille, il y a toujours ces boules colorées, malgré ses efforts. Et c'est quoi ces boules colorées? D'où elles viennent? Elles sont là, c'est-à-dire qu'elles sont là présentes, là où il se trouve. C'est-à-dire qu'en montant, en s'éloignant du plan physique, il est arrivé jusqu'à ce lieu-là où il y a ces boules colorées. D'accord, c'est des énergies, c'est. Oui. D'accord, ok. Bon, bah, puisqu'il choisit un coup de pouce, on va le connecter à son essence, faire descendre information originelle, énergie, donc puissance créatrice, conscience, amour. Et là, pareil, puissante énergie qui le touche au cœur. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça vient le stabiliser comme une sorte d'arrêt sur image qui lui permet de faire le point et de prendre de la distance et de la perspective par rapport à là où il se trouve. D'accord. Et qu'est-ce qu'il choisit de faire? Alors, est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer en toute liberté et souveraineté? Non, de remonter à la source. Bien. Alors, dis-lui que même s'il est éloigné de la Terre, dis-lui qu'il est nécessaire qu'il récupère toutes ces énergies qu'il a laissées sur Terre et sur les autres plans et couper tout ce qu'il y a à couper. C'est fait. Très bien. Alors, donc, avant de partir, est-ce qu'il veut s'exprimer envers Philippe? Alors, il reconnaît, comme s'il reconnaissait sa présence, en tout cas la nature de son essence, mais ça n'est pas relié à... C'est comme s'il avait, il y avait un oubli, quelque chose comme ça, par rapport aux liens et interactions qui ont pu se passer sur le plan terrestre. Oui, c'est Il y a plus un lien certains... familial, quoi. Non, il y a la reconnaissance de son essence. Il le salue et il le remercie. Il le remercie de lui avoir permis cette ouverture, de lui avoir ouvert la porte. Il y a un échange d'énergie haute en fréquence qui circule entre eux deux et assez rapidement il monte. Très bien. Bon, on le salue. Oui. Très bien. Alors, on va revenir à Philippe. Oui. Juste une chose. Bon, il ne l'a pas demandé, mais comme je le vois s'éponger les yeux depuis tout à l'heure, regarde s'il a quelque chose qui va pas au niveau de ses yeux, de ses des liquides. Il y a des descentes d'informations qui arrivent de façon désordonnée au niveau de la partie physique. Pourquoi désordonné? Avec ce qui est en train de s'équilibrer, pourquoi c'est désordonné? Parce que le process n'est pas terminé. Ah, d'accord, ok. Bon, à part ça, tout va bien? Oui. Bon, très bien. Alors, donc, on va continuer au niveau de tous ces noms et prénoms. On va couper tous les liens avec le système de la fausse matrice, tout ce qui est limitant, tout ce qui n'est pas souhaitable. Donc, on coupe les liens et on dissout les racines. 1, 2, 3. Oui. On regarde s'il a des liens toxiques, quels qu'ils soient. Oui. Alors on les coupe également, on dissout les racines. 1, 2, 3. Oui.
Couper, désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Il ne garde que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dents du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps, subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine, comme du sang reçu de quelqu'un d'autre, ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Oui. De son espace morentiel, il récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double démiscate active. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro. Oui, c'est fait. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir pleinement et toi aussi si tu le désires. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à l'essence. Oui. Guérison instantanée, qui est, je le rappelle, expérimentale. Place sa conscience dans l'espace morentiel. Oui. Pour toutes les parties qui le nécessitent. Donc, il fait descendre information, énergie, information originelle, énergie et code. Oui. Il installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation et activation de la fleur de vie, graine de vie et double lémniscate. Oui, c'est fait. Il crée son baume de vie régénérant et il l'enduit partout où c'est nécessaire. Qui n'oublie pas ses chevilles, enfin toutes les parties qu'il a nommées et les autres à la connaissance de son élémental. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Et on va stabiliser, sécuriser, pérenniser tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Oui, c'est fait. À présent, nous allons regarder son ADN. Avec ce qui a été fait jusqu'à maintenant, dis-moi combien est-ce que tu vois d'hélices présentes, combien sont connectées et activées. Il y en a 9 qui sont connectées. Et il y en a 7 d'activées. Est-ce qu'il peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. Oui, c'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que ça va faire de plus pour lui? C'est comme des éléments de liaison, ces nouveaux programmes entre les différentes hélices. Ça vient enrichir les informations et ça vient contribuer à stabiliser sa base énergétique et ça permet la création de nouveaux faisceaux énergétiques. Ça vient enrichir tout son espace énergétique. Ça vient créer des liaisons entre les différents plans. Donc, ça vient faciliter les
communication entre ces différents corps subtils jusqu'au plan physique. Donc ça vient faciliter en conséquence ces conditions d'incarnation. Bien, donc il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. À présent, peux-tu me dire combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 9 et 14 mois. 9 et 14, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Une sensation d'unité intérieure et de légèreté intérieure, de bien-être. Très bien. Est-ce que tu vois des effets ou en tout cas des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 14 mois ou moins? Oui, c'est comme s'il y avait des hauts et des bas avec des moments où il se sent bien, libre, serein, stable, calme, léger, et d'autres moments où, au niveau de sa physicalité, il y a des douleurs qui reviennent liées à des moments de stress et d'angoisse. Très bien. Bon, pour limiter ça, on va aller dans le futur. Tu vois, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Oui. Comment se sent-il là? Là, il se sent bien unifié, tranquillisé, sécurisé. Cette sensation de liberté intérieure. C'est-à-dire que tous les moments agréables, stables, heureux et joyeux ressentis pendant la métabolisation, là, ce sont comme tous reliés les uns aux autres et ça s'est stabilisé dans une forme d'unité stable. Donc, il se sent heureux et joyeux aussi. Bien. Alors, qu'ils prennent le temps de le savourer et ils le ramènent ici et maintenant, dans toutes les parties de lui. Chacune des parties, oui. Sans télécharge, mental, égo, élémental, conscience cellulaire, tous ses corps. Il le ressent pleinement et il sait que c'est sa nouvelle référence, quel que soit ce qui se passe, même si ça redevient douloureux, ou etc. Oui. Il se souviendra que c'est le processus de métabolisation. Donc, on stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. À présent, regarde ton domicile. Dis-moi comment tu le vois. Il y a une sorte de courbe un peu hachée. C'est lui par rapport aux énergies du domicile. Donc, c'est lié à son ancienne situation énergétique. Bien. Est-ce que tu vois dans les sous-sols des désordres géobiologiques ou énergétiques? Même si on l'a fait pour son épouse hier, hein, bien sûr, puisque c'est sa bulle de création à lui. On est bien d'accord. Parce que sur lui, ça intervient différemment, mais c'est un effet amplificateur en tout cas de ce qui se passe dans les sous-sols. C'est comme s'il y avait des parties de lui qui étaient en liaison, comme reliées à des sortes d'antennes souterraines amplificatrices. Ok. Donc, dans son plan de réalité, il va créer une dalle suffisamment épaisse pour que plus aucune énergie et information ne puisse passer, avec des évacuations qui vont éliminer toutes ces énergies à l'extérieur et loin des habitants. Oui. Et tu le programmes pour être stable et indestructible. Oui. Il fait une puissante tornade dans la maison et dans les alentours. Sur son terrain. C'est fait. Il installe Flore de vie, plaque Tesla, graine de vie, double hémiscate activée et tu sécurises, pérennises. Oui. Sur le compteur général qui n'est pas un Linky, tu places un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie. Oui. Tu mets une Flore de vie, graine de vie et double hémiscate activée et tu pérennises. Oui.
surtout des plafonds. Un gros boîtier qui filtre l'air et nanotechnologie. Oui. Qui produisent par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se modulent. Oui. Et tu sécurises Pyrénées. C'est fait. Il remplit tout son espace de sa propre énergie et de sa présence. Oui. Il le met dans une bulle de protection christique, lui également et les autres occupants s'ils le désirent. Oui. Donc on stabilise, sécurise. Oui. Et on va programmer les protections des différents états de conscience et on sécurise, pérennise. Oui. On relie le début et la fin de la séance et on pérennise également. C'est fait. On crée une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de la métabolisation pleinement réussie dans sa meilleure version. Oui. Et intégrer évidemment. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent et irradient. Oui. À l'intérieur, son élémental. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qu'il peut enrichir autant qu'il le veut. Oui. Il place fleur de vie, graines de vie et double muscat activé. C'est fait. Autour le corps diamantin. Et on sécurise également. Oui. Et nous allons sécuriser toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin et toute la séance également, sur tous les plans, dans tous les espaces-temps, toutes lignes de temps, tous les plans de réalité, tout plan fractal, multidimensionnel et quantique, et les autres inconnus. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et on va demander au sens supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Ah, le soi supérieur, il y a une sorte d'éclaircissement, quelque chose de clair, de lumineux, de direct qui s'est mis en place entre le soi supérieur et la partie physique. Et ça, pour le soi supérieur, c'est satisfaisant parce que ça a rapproché la partie physique du soi supérieur. Ça a mis en place toutes ces conditions de communication directe, sans intermédiaire. Bien. Est-ce qu'il a quelque chose à dire à sa partie physique ou des conseils à donner? De rester connecté par l'intention à ce canal de communication, mais par une intention tranquille, sûre d'elle-même, comme détachée dans une sorte de lâcher prise. Très bien. Comment vois-tu son âme? Elle s'est tranquillisée, allégée et elle flotte. Elle est presque transparente, elle flotte légère et transparente. Et sa partie subliminale? Elle s'est réénergisée et rapprochée de la partie physique. Elle est venue se placer au-dessus de la partie physique. Très bien. Alors, ça va être la fin de la séance. On va donc les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, ce nouveau partenariat avec lui-même et ses partenaires uniquement. Et dans cette nouvelle version donc, de Philippe, pour lui. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cet eau de très haute fréquence, composée de sons, de lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et double démiscate activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à l'essence. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et on termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure,
quelle était la fréquence de Philippe avant la séance et quelle était la présente? Elle était à 65 et maintenant elle est à 190. Très bien. Alors, chacun va sortir de son portail et le fermer derrière soi. Oui. Et bien sûr, retourner à sa place respective, évidemment. Voilà. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors, c'est parti. Et 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel. Comment te sens-tu? Bien. Bon, c'était laborieux avec ces connexions, hein? Mais on y est arrivé. Bon, Philippe. Je t'entends pas pour l'instant. Oh, tu vas y arriver. Oh là. Là, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Oui. Eh bien, écoute, un grand, grand merci pour ce voyage fabuleux, finalement, extraordinaire. Merci pour ce cadeau. Ça a été un bien formidable, une réjouissance extrême. Merci à Emmanuel, parce que ce n'est pas évident. Et ben finalement, par le biais de ces micro-coupures, et ben on va donner plein d'informations à plein d'autres gens, quoi. Alors, quelque part, et ben c'est un cadeau, et tant mieux, et c'était génial. Un énorme grand merci, et je me permets de vous embrasser du fond du cœur, sincèrement. Voilà. Ça va se répartager. Merci. En tous les cas, donc, plein de bonheur à vous deux, et j'espère se revoir, se rentendre. Et voilà, c'était vraiment, mais sincèrement, un moment extraordinaire, vraiment. Tant mieux. Ça t'a parlé tout ça? T'as senti des choses? Ah oui, 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 j'ai senti des choses, j'ai compris des choses. Bon, je vais réécouter la séance parce que, bon, j'ai pas tout bien compris, mais l'essentiel est dans ma tête et sincèrement, c'est un pas de géant que je suis en train de faire. Et qui va m'aider énormément pour l'avenir, quoi. C'est un renouveau fabuleux, mais vraiment, vraiment. Mais un grand, grand merci parce que c'est extrêmement enrichissant et vraiment, voilà. C'était un plaisir, en tout cas, merci à toi, Emmanuel. Hein, c'est génial. C'est dommage que je ne voie plus Emmanuel, je ne la vois pas là. C'est tu ne la vois plus? Oh non, mince alors. Bon, mais ça fait rien, c'est pas grave. Tu es en train de louper ses sourires et tout, hein, c'est dommage. Ah, hein. Bon, ben, tu la verras dans l'enregistrement. Hein? Dans l'enregistrement, bon, c'est super. Mais je me permets d'embrasser Emmanuel et puis plein de bonheur à vous deux en tous les cas. Merci à toi et j'espère qu'on aura des nouvelles, hein, par mail ou par SMS. Enfin, plutôt par mail, je préfère si tu veux. Oui, ok, il n'y a pas de problème. À partir de quand la vidéo sera disponible? Alors déjà, elle est disponible tout de suite sur Skype. Hein, quand tu vas raccrocher, il y a plusieurs morceaux. Donc, tu cliques dessus ou tu regardes où tu enregistres hein, en clic droit. D'accord. Voilà. Et puis après, en antenne, on va dire sur l'antenne, je ne sais pas, d'ici une semaine ou deux, ça dépend. Oui, tu vois. D'accord. Ok, hein? Ok, ça va. Mais en attendant, tu l'as sur Skype déjà, hein, tu peux les récupérer. D'accord, ok. Bon, c'est génial. Donc, tu m'autorises à publier? Oui, 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 aucun souci. Non flouté? Non, il y a non flouté, c'est super. Génial. Bon, merci à toi et très bonne journée alors. À très, très vite. Par contre, l'enquête, je vais la mettre tout de suite, hein, comme ça, l'enquête, je vais la mettre rapidement. Hein. C'est super, c'est gentil. Au revoir. Un grand merci, à très vite. Au revoir. Au revoir. Merci.